Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est très bientôt Noël. Et donc, qui dit Noël dit wishlist de Noël, bien évidemment. C'est pas parce que j'ai 24 ans que j'ai plus le droit de commander des cadeaux au Père Noël. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes petits cadeaux à Noël, voilà. Et ça, jusqu'à mes 90 ans. À ma wishlist, on va dire qu'il y a des choses qui sont largement faisables. Mais il y a aussi des choses qui sont un peu moins faisables. Et que clairement, si j'achète tout ça, je vais être à découvert très très rapidement. En premier, j'aimerais vraiment pouvoir avoir des AirPods. Tout simplement parce que j'ai un téléphone qui ne peut pas et se charger et prendre des écouteurs en même temps. Et du coup, bah, clairement, c'est la... Je sais que c'est extrêmement cher. Mais du coup, voilà, ce serait un accessoire en plus. J'aimerais la palette Urban Decay, donc... Honey, qui veut dire miel pour les nuls en anglais. Elle est trop jolie, je la trouve trop belle, je l'adore. Comme tous les ans, je commande une palette Urban Decay à Noël. Ben, on va pas changer les habitudes, j'ai envie de dire. En plus, c'est des couleurs que j'ai très peu dans mon maquillage actuel. Donc ça pourrait me permettre de compléter un petit peu mon make-up, quoi. J'ai tout simplement craqué pour ces chaussures là, elles sont trop belles. C'est des chaussures Guess. Il y a écrit Guess en gros dessus, mais je trouve que ça fait très original. En plus d'être original, je les trouve assez simples quoi. Elles sont pas flag, elles sont pas choquantes et je les trouve juste trop jolies. Et j'ai vu personne les porter. Et en plus de ça, elles sont pas très chères. D'autant plus que je me suis fait bouffer mes Adidas Superstar par ma de chienne Nala. Hélène, clairement, elle s'est régalée. Mais par contre, moi, j'étais dégoûtée. Donc du coup, voilà, ce qui fait que je me retrouve avec peu de baskets. Puis, comme je porte pratiquement que ça, il m'en faudrait une de plus, quoi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai emménagé dans mon petit appartement. Tout mignon. D'ailleurs, je vous ferai un room tour à l'occasion. C'est juste qu'il me manque plein de choses à porter pour mettre un peu plus de déco, quoi. Donc, je souhaiterais commander une... carte du monde, voilà, à accrocher. Je trouve ça très joli et j'ai envie de mettre des petites photos dans tous les pays dans lesquels j'ai voyagé. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une très grande carte du monde pour pouvoir décorer mon appartement. Moi, je suis là avec ma feuille depuis tout à l'heure, j'agite dans tous les sens. Donc du coup, il me faudrait aussi une parure de lit, donc des draps. Parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 ou 3 paires et du coup ça suffit pas. J'aimerais pouvoir les renouveler un petit peu. Ensuite il me faudrait du vernis semi-permanent puisque je me le fais moi-même. Celui-là est très joli d'ailleurs, je l'ai acheté en Italie pendant mes vacances. Ah, c'est vrai que j'ai très peu de couleurs au niveau de mes semi-permanents parce que je débute un petit peu. J'aimerais bien en avoir davantage. Pour pouvoir me faire plus de couleurs, tout simplement. Depuis l'année dernière, je n'ai toujours pas d'enceinte Bluetooth. J'avais déjà mis dans ma wishlist l'année dernière, mais j'en ai toujours pas acheté. Donc du coup, ben, rebelote quoi, cette année, j'aimerais de nouveau une enceinte Bluetooth. Voilà, pas une énorme enceinte, juste un petit truc quoi, de manière à ce que je puisse voilà, la trimballer quand je pars. J'aimerais aussi avoir des bijoux parce que c'est complètement con ce que je vais dire, mais je me suis acheté un miroir qui fait en même temps rangement à bijoux et je me rends compte que j'arrive pas à le remplir en fait avec les bijoux que j'ai actuellement, donc du coup c'est pour le remplir. Mais pas que, c'est aussi parce que c'est vrai que les bijoux que j'ai ils sont anciens et du coup j'aimerais encore renouveler mes bijoux, voilà, d'en avoir de nouveaux parce que j'ai tendance à me lasser quand même. J'aimerais beaucoup avoir un géant plaid tout cocooning dans lequel je pourrais me mettre le soir devant la télé sans avoir un orteil qui dépasse comme ça. Toi-même, tu sais de quoi je parle. J'en ai déjà 3 ou 4 des plaids, mais bon, ils sont pas grands et du coup, ça me suffit pas. Alors ensuite, j'aimerais un robot pâtissier. J'aime bien faire des gâteaux de temps en temps, des choses comme ça. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose que j'aimerais, voilà, en plus de ce que j'ai déjà. Cette fois-ci, j'en aurais vraiment besoin, ce serait un mixeur. Parce que voilà, j'aimerais pouvoir me faire des soupes. Oui, je suis une mamie. Et puis, j'ai pas de mixeur. Donc, c'est un petit peu embêtant pour faire des soupes quand même de pas avoir de mixeur. Je vais vous donner les 2 choses, on va dire, vraiment folles. La première chose, ce serait un nouveau téléphone. Donc, comme moi, je suis team iPhone. Je voudrais un iPhone 11, évidemment, puisque c'est le dernier qui est sorti. Mon téléphone à moi, c'est l'iPhone XR. Donc, il est pas vieux. Je l'ai acheté il y a très peu de temps.
Mais voilà, j'aimerais déjà changer tout simplement parce que il est cassé, l'écran. Et puis je sais très bien que de changer l'écran, ça me coûtera presque aussi cher que de changer de téléphone. Non, j'exagère un peu, mais bon. Et en plus de ça, j'ai pas envie qu'il perde trop de valeur. Et je me dis que plus j'attends, plus il va perdre de la valeur, plus j'aurai de difficultés à le revendre. Et ensuite, la dernière chose, là pour le coup, j'aimerais vraiment en avoir un. Ça fait un an que j'en parle, déjà dans ma wishlist de l'année dernière. C'est un Mac, tout simplement, déjà pour faire mes montages vidéo, parce que maintenant, enfin, avant j'utilisais mon ordinateur actuel, mais maintenant il bug beaucoup trop, ce qui fait que je suis obligée d'utiliser mon téléphone, ce qui fait que ça me prend de la mémoire et qu'après je suis obligée de supprimer toutes mes vidéos. Moi, j'hésitais beaucoup entre un Mac et une autre marque, parce que voilà, on m'a beaucoup dit que les Macs, c'était pas forcément adapté pour faire du montage vidéo. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir un énorme ordinateur, j'ai envie d'avoir un ordinateur que je peux trimballer partout, mais qui est quand même assez rapide, voilà, qui rame pas. J'ai pas envie d'avoir un gros ordinateur de geek, voilà, qui est lourd et qui est imposant. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dit le Mac. Encore une fois, c'est pas un besoin. Pour l'instant, je peux encore faire sans. Donc voilà, ce serait vraiment peut-être dans mes projets à venir que je m'achèterais un Mac. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.